Comment Jeanne d'Arc a-t-elle pu passer de conseillère du futur roi Charles VII à hérétique brûlée sur la place publique À vrai dire, les sources historiques sont assez rares, on ne connaît pas son âge exact, il n'y a guère que les comptes-rendus de procès du XVe siècle qui nous donnent des éléments plus ou moins tangibles pour reconstituer une chronologie et reconstituer la vie de Jeanne d'Arc. C'est assez maigre car 600 ans plus tard, si Jeanne d'Arc fait partie des plus grands personnages de notre histoire, son histoire à elle est toujours entourée de mythes et de légendes. Dans cette vidéo, nous allons donc tenter d'y voir un petit peu plus clair. Et nous allons voir qu'aucun écrit, qu'aucun livre ne prouve que Jeanne d'Arc a véritablement été brûlée. Confié après sa naissance, Jeanne d'Arc était en fait la demi-sœur de Charles VII, issue de lignées de grandes familles et fille d'une reine plutôt volage, Isabeau de Bavière, femme de Charles VI, lui aussi roi de France. Elle sera enterrée au château de Morey en Meurthe et Moselle, à un âge estimé entre 42 et 43 ans. Et nous verrons également d'où et par qui est né le mythe historique faisant de Jeanne d'Arc une pieuse bergère illuminée. Alors, reprenons depuis le début. Alors que l'Europe se relève péniblement de la peste noire qui, en quelques années seulement, aura décimé près de 40% de la population, le XVe siècle entame son histoire et donnera dans ses 50 premières années le traité de Troyes, qui remettra la France aux mains de Henri V, roi d'Angleterre, couronnera Charles VII à Reims, et verra la guerre de 100 ans toucher à sa fin. Mais surtout, nous donnera la naissance de Jeanne d'Arc. La pucelle, comme elle était surnommée, a été étudiée presque autant que nos rois, et pourtant l'histoire de celle qui entendait des voix navigue toujours entre héroïsme et hérésie. L'histoire nous dit qu'en février 1429, une jeune femme que l'on pense avoir 16 ans vient s'entretenir avec Charles VII au château de Chinon. Elle lui fait part de ses visions et du fait que Dieu lui aurait parlé en lui disant que Charles VII est le vrai héritier du trône de France et qu'il sera sacré roi de France après avoir sauvé Orléans des mains des Anglais. Jeanne d'Arc est écoutée et Charles se met en tête de bouter les Anglais hors de France. Ces visions étaient-elles des incidents isolés Eh bien, selon son histoire officielle, non. Bien que son âge exact reste un mystère, il est convenu que dès l'âge de 13 ans, celle qui était décrite par son entourage comme très pieuse entendait déjà des voix. Non seulement pieuse, mais elle était sérieuse serviable et s'affairait aux travaux de la maison, loin de la légende plutôt urbaine de la simple paysanne qui n'était finalement qu'une peinture fallacieuse de la pucelle afin de jeter l'opprobre sur Charles VII qui devrait alors son sacre et son salut militaire au délire d'une vulgaire bergère. Mais nous allons voir un petit peu plus tard que c'est bien plus simple que cela, enfin bien plus simple ou bien compliqué, hein, ça dépend du point de vue. L'histoire nous dit que ces visions l'emmène dans une folle aventure dans laquelle elle accompagnera Charles VII jusqu'à son sacre le 17 juillet 1429, à peine deux ans avant la date de décès supposée de Jeanne d'Arc. Décès que l'on pense avoir eu lieu sur le bûcher à Rouen. Donc, comme je le disais en début de vidéo, comment est-ce que Jeanne d'Arc a pu passer de la conseillère du futur roi de France à une hérétique brûlée sur la place publique en 1431 Je le répète, les sources historiques sont rares et il n'y a guère que les comptes rendus de procès qui retranscrivent de manière fidèle ce qui a pu être dit sur cette époque, ainsi qu'un certain nombre de chroniques. Et comme je le disais aussi, ces sommes toutes très maigres pour un sujet couvert de mystères encore 600 ans plus tard. Mais alors cette pucelle a l'histoire aussi courte que mouvementée. D'où est-elle sortie Est-ce qu'on peut vraiment penser qu'une totale inconnue pétrie de visions aurait pu être à l'origine de tant de chamboulements dans l'histoire de France pour cela, il faut replacer l'histoire de France dans son contexte. Entre guerre de 100 ans et bataille face aux Anglais, la France et son peuple sont perdus. Par conséquent, que Jeanne d'Arc ait été une inconnue ou pas, le fait est que le peuple français avait besoin de guides pour croire en la direction du pays. Une guide militaire, voire spirituelle. Donc résoudre les enjeux derrière l'histoire de Jeanne d'Arc, ce n'est pas qu'un enjeu historique, c'est aussi un enjeu politique. En effet, sans Jeanne d'Arc, il n'y aurait probablement pas eu de Charles VII. Alors, ce roi, à qui doit-il son trône une sorcière, une hérétique, une héroïne, une sœur? Oui, oui, une sœur, parce que c'est peut-être la chose la plus intéressante sur l'histoire de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc était en fait la demi-sœur de Charles VII. Tous les deux faisaient partie d'une fratrie de douze frères et sœurs. Tous étaient nés d'Isabeau de Bavière, reine de France, au parcours plutôt volage. Il est donc normal qu'après la naissance de Jeanne, le fruit d'une union impure ait été confié en secret à Yolande d'Aragon, la grande confidente de la reine, qui fera assurer son éducation par la religieuse Colette de Corbie. Jeanne d'Arc grandira et sera élevée comme une aristocrate. C'est pour ça en fait qu'elle savait monter à cheval, qu'elle savait manier l'épée et qu'elle s'exprimait de manière plutôt distinguée. Ce sont là donc des traits et des compétences qu'elle n'aurait jamais pu développer en tant que simple bergère, fille de laboureur, euh, comment dirais-je, ce qu'elle a toujours été censée être en fait. Tout ceci n'était finalement que la préparation, la formation, l'entraînement de la jeune femme pour qu'elle boute les Anglais hors de France. Et cela nous ramène aux soi disant visions l'ayant conduite à demander une conversation avec Charles VII au château de Chinon. Mais la réalité est tout autre. Celle qui était en fait la demi sœur du roi ne venait pas lui partager ses visions, mais elle venait simplement lui apporter son soutien dans son combat face aux Anglais cependant Charles VII n'était pas dupe et lors de ce rendez-vous il s'est dit que pour reconnaître les vraies intentions de celles dont il ignorait encore l'identité il s'était habillé en chambelin et avait habillé un de ses chambelins en roi en arrivant dans la pièce Jeanne d'Arc ne se laisse pas tromper, elle ne se laisse pas duper par les accoutrements et s'adresse directement au roi. Donc à ce moment-là, Charles VII sait très bien qu'il a en face de lui une jeune femme qui sait parfaitement à qui elle parle. Il la prend en aparté dans une des pièces de ses appartements. C'est là qu'elle ne lui parle pas du tout de vision mais lui annonce simplement qu'ils ont la même mère et qu'à deux, ils pourront mettre leurs compétences en commun afin d'écrire une nouvelle page de l'histoire de France. Seulement, après ces faits d'armes, Jeanne d'Arc est faite prisonnière. Prisonnière de guerre, Jeanne d'Arc fait face à de nombreux opposants. Essentiellement politique, qui la conduisent vers un procès ecclésiastique mené par l'Inquisition, car si elle avait été jugée devant un tribunal laïque, le jugement n'aurait pas été couru d'avance comme c'était le cas. 25 ans après ce jugement justement et sa condamnation, les témoignages sont recueillis afin d'essayer de la réhabiliter auprès du pape. Oui, le pape, rien que ça, parce que, en fait, le pape est le seul à l'époque à pouvoir renverser un jugement donné par l'inquisition. Elle sera finalement réhabilitée en 1455 et près de 500 ans plus tard, en 1920, elle sera canonisée. Les origines royales de Jeanne d'Arc étaient vraisemblablement connues de toutes et tous dès son incarcération avant le procès euh, devant le tribunal ecclésiastique qui la condamnera. Et pourquoi est-ce qu'on peut penser ça bah Je vais vous expliquer tout de suite. Avant le bûcher, il semblerait que Jeanne d'Arc n'ait pas subi de torture, alors qu'elle n'a jamais trahi sa ligne de conduite religieuse. Pour une bergère lambda, comme on nous l'a vendu depuis toujours, nul doute que si sa détention avait été menée selon les règles applicables et appliquées de l'époque, il n'aurait pas fallu longtemps pour que les sévices ne commencent. Alors est-ce qu'elle a bénéficié d'un traitement de faveur Et si oui, pourquoi Est-ce que cette identité secrète était connue Et si cette identité secrète était connue Comment se fait-il qu'elle lui ait permis d'obtenir des traitements de faveur lors de son incarcération mais que ça ne lui ait pas permis d'éviter la condamnation et éviter ce qu'on pense être le bûcher Eh bien peut-être parce que Jeanne d'Arc n'est jamais allée sur le bûcher. Et c'est vrai que le supplice de Jeanne d'Arc suscite des interrogations car certains biographes et historiens affirment que des éléments masquaient le visage de Jeanne sur le bûcher, rendant son identification plutôt floue voire pour certains impossible. Son visage il aurait été masqué tantôt par un écriteau décrivant ses péchés, tantôt par la mitre d'infamie, ce bonnet de papier qu'on faisait porter aux hérétiques condamnés. Les premiers doutes sur l'identité de la personne brûlée se sont élevés moins de dix ans après sa mort, sa mort en 1431 je le rappelle, car en 1440 est publié le journal d'un bourgeois de Paris, livre anonyme écrit par un parisien relatant sa vie de 1405 à 1439 je crois. Bref en tout cas c'est à ce moment-là déjà, à peine dix ans après sa mort, que les premiers doutes apparaissent. Alors Jeanne d'Arc a-t-elle survécu au bûcher N'est-elle jamais allée sur le bûcher Aurait-on poursuivi son traitement de faveur pour la faire remplacer par une vraie sorcière hérétique sur le bûcher Si vous voulez mon avis, il semble plus probable qu'une demi-sœur royale cachée vienne motiver son demi-frère futur roi de France, plutôt qu'une paysanne inconnue euh, qui viendrait bouter les Anglais hors de France en compagnie d'un roi avec qui elle n'avait aucun lien et qu'elle n'aurait motivé que grâce à des apparitions divines. Mais alors d'où sort cette histoire de bergère injustement brûlée Et vous allez voir qu'on ouvre un petit peu une boîte de Pandore. Tout ceci remonte au 19e siècle, en 1841, lorsque Jules Michelet, historien français, popularise le personnage de Jeanne d'Arc, et lui donne une image qui restera jusqu'à notre époque. Dans le livre numéro 5 de son histoire de France, Michelet fait entrer la jeune femme dans la catégorie des héros incarnant le peuple. Pour ce faire, il base ses arguments sur les supposées origines modestes de Jeanne, son manque d'éducation et sa piété, qu'il décrit comme naïve. Michelet, l'anticlérical, ne souhaite pas donner la part belle aux lignes royales et fait naître Jeanne d'Arc, la paysanne croyante investie d'une mission qui la conduira sur le bûcher, sacrifice qu'elle est prête à faire pour le salut et la grandeur de la France. Donc nous avons là une héroïne morte en martyr. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie vision revancharde dans la manière dont Michelet écrivait, réécrivait l'histoire de France. Et on va voir un petit peu plus tard que cette histoire de France, cette nouvelle histoire de France qu'il a écrite, eh bien ne se limitait pas à Jeanne d'Arc. En tout cas, le texte, la prose, la vision de Michelet sont totalement différents de ceux d'Anatole France qui en 1908 a publié justement son propre livre intitulé Jeanne d'Arc. Concernant Anatole France, c'est un livre résolument rationaliste, arrivant à la conclusion qu'il subsiste un réel manque de fiabilité des sources disponibles concernant son histoire. Il donne à Jeanne un rôle plutôt psychologique que militaire, et dresse une conclusion très controversée. Il s'agirait d'un complot clérical visant à servir l'Église. Église qui, à l'époque, aurait revendiqué qu'une prétendue prophétie annoncerait le salut de la France, en passant par le sacrifice, enfin sacrifice entre guillemets, je sais pas trop quel terme utiliser, mais en tout cas en passant par la mort d'une vierge héroïque. Au-delà de la conclusion d'Anatole France, on pourra surtout retenir le rôle psychologique de Jeanne dont il parle. En effet, quoi de plus solide pour Charles VII qu'une demi-sœur de sang royal prête à croiser le fer pour le booster, le booster à mort, et lui donner envie de prendre son destin et celui de la France en main. C'est donc Jules Michelet qui a écrit, on va dire, d'une certaine manière, l'histoire de Jeanne d'Arc. Il en a fait une bergère, alors qu'elle est née dans une très grande, très vaste maison en Lorraine, à Don Rémy. et Elle a vécu une adolescence, une enfance et un début d'âge adulte à des années lumière de l'image dressée par l'historien. Mais si on va s'arrêter là pour Jeanne d'Arc, je vais tout de suite vous dire, les amis, que Jules Michelet, on va pas laisser partir celui-ci, parce que je m'étais dit que voilà, bûcher, euh, inquisition, sorcière, euh, etc., etc. J'ai poursuivi un petit peu. Les recherches sur Jules Michelet et je me suis rendu compte que tout ce qui concerne la chasse aux sorcières et l'inquisition, eh bien c'est lui aussi qui entre guillemets a créé cette histoire, qui a écrit ce qu'on en dit aujourd'hui, ce qu'on en pense. Et je vous prépare aussi et donc je vous l'annonce en conclusion de cette vidéo dans les semaines, dans les mois à venir, je vais poursuivre les recherches car en fait la chasse aux sorcières et l'Inquisition, ça n'a rien à voir dans les faits, ce qui s'est vraiment passé, avec ce qu'on en dit. Et ce qu'on en dit, ça émane directement de l'histoire de France de ce Michelet. Donc on va essayer de nouveau de corriger quelques petits mensonges, hein, parce que finalement c'est bien de réhabiliter, de, de, de refaire l'histoire correctement en se basant sur des écrits euh, tangibles, et pas uniquement ce qu'ont écrit des bonhommes quelques années plus tard, enfin quelques centaines d'années plus tard, car dans l'histoire de Michelet, l'histoire de France, eh bien... Pour revenir aux sorcières, l'inquisition et la chasse aux sorcières, ça n'a rien à voir avec le Moyen Âge. Euh, on n'est pas sur des centaines de milliers de sorcières brûlées. C'est beaucoup plus récent. Et ça, je vais vous le proposer dans une autre vidéo. Qui Eh ben, c'est le, c'est la beauté de, des recherches que je fais pour les vidéos sur la chaîne, c'est que en commençant avec Jeanne d'Arc, eh ben on va aboutir sur l'inquisition et, et d'autres choses. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao.